Le mardi matin, rendez-vous à Argenteuil, à la médiathèque Elsa Triolet et Aragon, pour apprendre le français. Des animations sont proposées par Caroline, bibliothécaire, et Christiane, bénévole, à la découverte de la langue et de la culture française. Entre janvier et avril 2024, une douzaine de participants venus des quatre coins du monde ont pris la parole et le micro, et ça a donné ce podcast. Français, langue d'adoption. Vous allez entendre le quatrième et dernier épisode. Quelques gouttes de bonheur. Maîtriser le français ne se résume pas aux règles de grammaire. C'est aussi et surtout un moyen d'échanger, réfléchir et s'émerveiller. Dans ce dernier épisode de Français, langue d'adoption, plusieurs participantes parlent de ce qui leur permet de se détendre et de s'élever. Voici quelques gouttes de bonheur. Fatima adore toutes les activités qui favorisent la connexion avec le corps, parce que ça fait du bien. Il y a le sport, bien sûr, mais aussi le jardinage. Écoutez-la parler de ses bienfaits. En fait, jardinage, c'est très bien pour les gens qui se sentent pas très bien moralement. Moi, j'ai déjà essayé quand j'avais trop des choses dans ma tête. Je sors dans le jardin, je m'occupe des plantes, j'essaye de toucher la terre. La terre, c'est très bien pour les nerfs. Et voilà, c'est une bonne idée pour les gens qui s'énervent trop et s'occupent de leur jardin. Les Jeux Olympiques de Paris ont été l'occasion d'échanger sur les pratiques sportives. Vous allez entendre Yessi qui décrit l'image d'une femme qui fait une balade en vélo et les réactions de plusieurs participantes. Une jeune dame, elle porte le vélo, elle garde le sac à dos, les lunettes de soleil aussi. Il fait très beau, elle est très contente. Tout le monde sait faire du vélo ici ? J'ai essayé une fois, je ne peux pas parce que j'ai peur de tomber. Moi, j'aime bien faire le vélo. En fait, c'est une activité sportive aussi. Ça permet de promener et en même temps faire des mouvements physiquement. Et c'est bien pour la santé. Est-ce que tu fais du vélo ? Non. J'ai déjà essayé, mais je n'arrive pas. J'ai peur. Rachida a été intriguée par le titre d'un livre que Christiane a apporté, « Le goût du bonheur ». Elle partage avec le groupe sa conception du bonheur au quotidien et propose de changer l'intitulé de l'ouvrage. J'ai choisi une petite livre, elle s'appelle Le goût du bonheur. Il y a une fille avec des roses, des fleurs et tout. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris, mais je l'ai pris plus pour le mot bonheur. J'ai lu aussi une phrase, elle dit « Le bonheur est un rêve d'enfance réalisé dans l'âge d'adulte ». Et pour moi, c'est fou. On n'attend pas jusqu'on grandisse pour avoir le bonheur. Il y a toujours des moments de bonheur qu'on vit chaque fois dans notre vie, depuis l'enfance jusqu'à la grandir. Je pense que le mot, le goût du bonheur, je mettais moi, c'est les gouttes du bonheur dans notre vie. Fatima est arrivée un jour avec le poème d'un auteur palestinien, Mahmoud Darwish, une parenthèse poétique dans l'atelier. J'ai choisi cette poème par de la maman, je l'aime trop. Je l'écris en arabe et en français. Ila ummi, ahinu ila khubzi ummi, wa qahwati ummi, wa lamsati ummi, wa takburu fiya tufulatu, yawman ala sadri yawmin, wa a'shaqu umri li anni ida mutu, akhjalu min dam'i ummi, khudini ida utu yawman, wishahan li hudbik, wa ghatti idami bi'ushbin, تعمد من طهر كعبك وشدي وتاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ديل ثوبك عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل الغسيل على سطح دارك لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك الشاعر محمود درويش. J'ai la nostalgie du pain de ma mère. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, des cafés de ma mère, des caresses de ma mère.
et l'enfance grandit en moi jour après jour. Et je chérirai ma vie, car si je mourrai, j'aurai honte des larmes de ma mère, fille de moi, si je rentre un jour une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe, baptisée sur tes talons annonçantes. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui prend alors l'aide de ta robe, et je serai peut-être un dieu. Si je fleurai ton corps, si je rentre en foi moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi. Cours à l'aine sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout. Sans ta prière du jour, j'y veille, ramène les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nez de ton attente. Mamou Tarwish. C'était le dernier épisode de Français, langue d'adoption. S'il vous a plu, écoutez donc les premiers épisodes et parlez-en autour de vous. Peut-être connaissez-vous des personnes qui veulent apprendre le français ou se perfectionner. Dites-leur que l'atelier de la médiathèque Elsa Triolet et Aragon d'Argenteuil est ouvert à tous. Comme l'a si justement dit l'historienne Hélène Carrère-Dancos, la langue française appartient à tous ceux qui s'y intéressent. C'était Français, langue d'adoption.